faut faire comprendre aussi à cet imam qu'il ne doit pas chercher à faire plaisir aux créatures, hein, pendant que ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cela. Il doit chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas plaire aux créatures. Et non pas plaire aux créatures. Un jour il va mourir. Quelqu'un va mourir. Il va être dans sa tombe. Il va être seul dans sa tombe. Donc s'il n'a pas œuvré conformément, n'est-ce pas, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, ce sont les créatures là qui vont venir l'aider là-bas dans la tombe. Donc il doit chercher à faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et non faire plaisir aux créatures.